Yo les frérots, yo tout, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo Car Parking. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à voir, enfin à vérifier si vos UFO sont toujours UFO. Parce que la voiture qui est à l'écran juste là est UFO. Voilà. Pourquoi je dis ça alors que c'est pas du tout UFO, les roues elles sont pas du tout comme UFO. Le propriétaire d'une UFO voit son UFO comme ça. Sinon, on ne pourrait pas la conduire et tout. Donc, nous. Moi qui possède l'UFO, je la vois comme ça. Et les autres la voient avec les roues qui flottent et tout. Mais du coup, on ne sait pas si elle est toujours UFO ou pas. Enfin là, en fait, on ne peut pas voir si les autres joueurs voient toujours les roues qui flottent et tout. Donc, on va voir comment faire pour justement vérifier si votre voiture est toujours UFO. Avant de commencer, abonne-toi et lâche un like, ça ferait vraiment plaisir. Et let's go! Alors là, je me suis infiltrée dans une partie multijoueur avec mon UFO. Donc les gens la voient UFO. Et je vais vous montrer comment faire pour vérifier. Alors vous allez vous garer de préférence comme ceci pour mieux voir. Après, putain, qu'est-ce qu'il fait lui? Casse-toi frérot. Laisse-moi. Mais. Hé, ça j'adore faire ça. Oh putain, il va me demander de vendre ce fils de pute. Nique ta mère. Nique ta mère, frérot, va te faire foutre. Alors, vous vous garez comme ça. C'est décalculé. Vous vous garez comme ça. Hop, voilà. Je peux fermer la voiture, mais c'est pas la peine parce que vous allez voir ce qui se passe s'ils la prennent. Ensuite, on va s'éloigner de la voiture. Assez loin, genre là, pas assez loin. Voilà, et à partir de là, vous allez reculer tranquillement. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire quand même. Moi, je le fais pour vous voyez. Et au bout d'un moment, la voiture va se mettre UFO. Putain, mais qu'est-ce qu'il veut lui encore? Ok, je crois que ma voiture, elle est pas UFO. Si, normalement, à un moment, ça va se mettre en UFO. Hein. Je crois. Ça prend du temps. Non, le mec, vu comment il la regarde, elle est UFO, c'est sûr. Bon, attendez. On va. Voilà, regardez, vous la voyez là-bas ou pas? Elle s'est mise en UFO. Et là, si on se rapproche, elle est toujours UFO, d'accord? Donc là, c'est ce que les autres joueurs voient. Alors, attendez, j'arrive. Les autres joueurs voient ça. Voilà. Il voit la voiture comme ça. Et donc, pourquoi est-ce que le propriétaire ne peut pas la voir comme ça? Parce que regardez ce qui se passe si on monte dedans. Ouais, voilà. C'est pas ouf, quoi. Genre. Vraiment pas ouf. Donc, bon. Donc, nous, on a de la chance de ne pas la voir comme ça. Et du coup, de pouvoir la conduire. Mais donc, si vous savez pas si votre voiture est UFO, vous reculez beaucoup. Et si elle se. Mais frérot, tu fais quoi, ma voiture? Mais calme-toi, fils de pute. Tu sors ta mère, je la prends, je la retourne. Voilà. Donc, revenons à la vidéo. Donc, si la vidéo vous a plu, ben, abonnez-vous. Si la vidéo ne vous a pas plu, abonnez-vous. Et abonnez-vous. À bientôt!